pas la Traverschamps et toi, une longue histoire d'amour? On va pas dire une première fois, hein? Ah non, pas du tout, non. C'est une longue histoire d'amour, oui. Je pense qu'on a commencé, donc au tout début, mais l'année exacte, je crois que c'est 2006, hein, à peu près par là. Hein. Mais dont on a fait partie directement, bien entendu, de l'aventure, parce que c'est une réelle aventure. Hein. Il y avait une vingtaine d'agriculteurs sur Rochefort. Je crois qu'on est encore 5 ou 6. Et je vous dis, dans ceux qui ont démarré l'histoire au début, on a vraiment plus que 5-6, quoi. Donc on a continué et on continuera tant qu'il y a moyen, hein, peut-être. Et quel est ton meilleur souvenir à Traverschamps? Ben, mon meilleur souvenir, il y en a beaucoup, bien entendu, hein, parce qu'il y a eu, il y a eu des journées fantastiques, il y a eu je vais dire, des périodes où c'était vraiment chouette, et ça a toujours bien fonctionné. Mais on repensait tout à l'heure avec Martine, une journée assez particulière. Enfin, on avait regardé un film, c'était, je crois, entre chien et loup, où la dame, ou le monsieur coupait encore la tête du coq là, dans la laiterie. Et puis après, on avait eu un bon repas qui avait été fait par Léon, les frites de Léon, les boulettes. Hein. Et puis le soir, on avait regardé un film. Enfin, il y avait eu aussi un film l'après-midi, mais le soir, c'était le film de clôture, je crois, avec des agriculteurs qui élevaient des moutons, mais c'était au Danemark. Est-ce que tu peux nous parler de la ruralité? La ruralité pour toi, c'est quoi? Ben, c'est un tas de choses en fait. Hein. Bon, il y a la campagne, c'est un fait, mais dans la ruralité, il y a le voisinage, hein, enfin, tous nos voisins, c'est se dire bonjour, enfin, c'est une convivialité en fait. Et c'est pas vraiment. Il y a l'aspect agriculture, ça certainement, mais il y a tout ce qu'il y a tout autour. En fait. C'est une grande famille, tout comme ça. Belle image. Le festival à Traverschamps, c'est du cinéma, mais aussi. C'est du cinéma. Moi, j'adore le cinéma. Ça, c'est déjà une chose, mais c'est plein de rencontres. C'est un partage aussi. Hein, un partage. On se retrouve là entre collègues. Entre autres, mais il y a aussi toutes les personnes qui sont venues s'ajouter à ces rencontres. Et là, on peut partager. Ces personnes-là ont parfois un œil différent, un œil critique, mais positif. Hein, je ne dis pas ça dans le sens négatif. Et c'est toutes ces rencontres-là qui font que le festival, je vous dis, c'est quelques jours de vacances, même pour nous. Hein. Et si tu devais choisir un mot pour convaincre quelqu'un de venir au festival, il serait... Ah, il y a plusieurs mots, effectivement, convivialité, rencontre, qu'est-ce que je peux encore dire? Il y en a plusieurs, tellement c'est enrichissant. Enrichissant, c'est peut-être encore le mot qui serait le plus, je veux dire, le plus fédérateur. D'accord. Dans les films du festival, tu es plutôt docu ou fiction? Ouais, j'aime bien le cinéma, donc la fiction, automatiquement, je l'adore, mais les documentaires sont exceptionnels aussi. Et les documentaires sont parfois le reflet le meilleur, je dirais. Allez, pour relater comment ça se passe exactement, comment on vit. Voilà. Alors, au sein du festival, tu fais... Bon, je suis un membre parmi tant d'autres, hein, je veux dire, il n'y a pas. Là, on est là depuis le début et on continue à soutenir, mais je veux dire, je prends une place, non, non, pas du tout. Mais tu fais partie du jury des agriculteurs. Oui, je fais partie Donc du tu peux en jury. parler un peu? Oui, ben, le jury, donc, c'est quelques agriculteurs qui sont ensemble et il y a le jury jeune et le jury agriculteur, donc forcément un peu plus âgé, hein, parce qu'il y a quand même des jeunes qui nous rejoignent aussi, donc ça, c'est bien. Et voilà, donc, chaque film enfin, on nous propose une panoplie de films et on essaye de visionner pendant le festival, hein, et voilà, et essayer de trouver le film qui est le mieux, qui nous a touché le plus, et voilà. Le cinéma à la campagne. Encore, pourquoi, comment et avec qui? Le cinéma à la campagne, c'est vrai que, enfin, je suis partant. Parce que c'est vrai que pouvoir faire une séance de cinéma, je veux dire, avec des gradins en ballot de paille, avec un grand écran en plein air, c'est magnifique. Et j'espère qu'on pourra arriver à le faire, parce que je crois qu'on n'a jamais fait ici.
peut-être pas ici, non? Pas ici à Rochefort. Et ça, ce serait vraiment chouette de pouvoir arriver à ça. Eh bien, écoute, on va en parler à ta voisine Karine, hein? Eh ben, je pense qu'elle a l'idée derrière, allez, au fond de sa tête, là, qui est sûrement là et qui a déjà germé, parce qu'elle m'en a déjà parlé aussi. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à. Et ben voilà, l'invitation est lancée. Merci Merci beaucoup. Thierry.